De retour sur wahoo.com, site de tendance à 360 degrés, nous allons tester un premier produit permettant justement de réaliser ces fameuses vidéos sphériques, à savoir le modèle Ricoh Theta M15, un petit appareil photo qui a cette spécificité d'avoir deux optiques, une à l'avant, une à l'arrière, dans un encombrement un peu compact de type appareil photo. Donc là, vous allez voir le produit dans l'effet de glace, effet spécial. Prêt pour l'immersion complète. Donc de l'autre côté, vous voyez le produit Ricoh, produit qui existe en quatre couleurs. J'ai pris la plus discrète, hein, à savoir le blanc, mais elle existe aussi en bleu, en rose, en jaune. Alors c'est un produit qui filme, mais qui fait également des photos. Alors les photos sont plutôt de bonne qualité. En revanche, pour la partie vidéo, on est quand même sur une résolution un peu moyenne par rapport à ce qu'on peut attendre aujourd'hui des sites de diffusion en ligne. Il n'y a pas encore d'ultra HD sur ces produits. Ça devrait arriver dans le courant de l'année 2015, donc on aura l'occasion de tester d'autres produits. Mais pour l'instant, ce produit-là est plutôt un bon compromis, pas excessivement onéreux, moins de 300 euros, disponible sur les différents sites de commerce en ligne. Et avec un petit applicatif de partage vidéo directement sur les plateformes type YouTube, vous pouvez avoir accès à moindre coût justement au monde de la réalité augmentée. Voilà, donc un beau produit, on en aura d'autres en test pour la prochaine réalisation. Pour l'instant, on s'arrête là.